Ma colère, oui, c'est ça, colère. Mmh. Oui, c'est ça, colère. Oui, c'est ça, colère. Bon, le roi et la reine étaient toujours grognons. Oh. Les petites fourmis ont eu une idée. Faire un cadeau au roi et à la reine. Un cadeau. Qui va faire un cadeau, le premier cadeau? Tiens. Va au magasin des cadeaux. Qu'est-ce que tu vas faire comme cadeau, toi? Une voiture, c'est ça? Une grande ou une petite comme ça? Une grande, grande que tu conduis toi-même? Bon. Là, tu as le volant de la voiture dans tes mains. Vas-y, prends comme ça. Vas-y, ferme bien. Voilà. Tu as la voiture dans tes mains, d'accord? Tu es prêt? Tu vas amener la voiture au roi et la reine. On y va? 3, 4. Allez, allez, conduis, conduis, conduis. Pose la voiture. Tu dis, je vous donne une voiture à toi. Dis-leur fort, je vous donne une voiture. C'est dur. Hein. Oui, c'est dur, d'accord. Bon, on a imaginé que tu l'as dit fort. Qu'est-ce qu'ils font, le roi et la reine grognon? Ils prennent un marteau, ils cassent la voiture. Poum, cassez la voiture. Casse la voiture, vas-y, casse. Mais oui, toi aussi. Hein. Même la reine, elle casse la voiture. Ils sont vraiment pas rigolos. Hein. Alors, une autre idée de cadeau. Qui aurait une idée de cadeau? Les miettes. Non? Oui, qu'est-ce qu'il pourrait offrir? Elle sait quoi. Et ça, on a dit une voiture, ça ne marche pas. Quoi que tu pourrais offrir? Une moto. Une moto. Quoi? Une poupée. Ça pourrait être une poupée. Ah oui, une poupée. Qui va offrir la poupée? Tu veux offrir la poupée? Tiens. Tiens. Attends, je te trouve une belle poupée. Tiens. Prends la poupée dans tes mains. C'est une grande poupée. Prends-la bien. Et tu dis, je vous donne une poupée. Vas-y. Une poupée, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils font de la poupée, eux? Ils font... Ils arrachent les jambes, tout ça, les bras, ils arrachent la tête. Et puis jette la poupée. Jette la poupée. Oh, ils sont vraiment grognons. Un autre cadeau, vite. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Une moto. Une moto, t'as raison, une moto, une vraie moto. Une petite, une moto, viens, viens. Tu veux pas? Tu veux venir faire offrir la moto? Viens, viens, viens. Je prends une petite moto dans ta main, voilà, c'est une petite moto miniature, hein, d'accord? Mais c'est une belle moto. Quelle couleur une moto? Jaune. Rose, une moto rose. C'est une fille qui a donné la couleur. Hein, une moto rose, c'est fort, ça fait rock'n'roll, trop fort. Une moto rose, d'accord? Très bien, une moto rose. Tu veux une moto rose? C'est vrai. C'est génial. Tu amènes ta petite moto rose là-bas. Ça peut leur plaire. Bravo, c'est une belle idée. Bravo, non, vraiment. Vas-y, va leur offrir la moto rose. Je vous donne une moto rose. C'est super. Et vous, qu'est-ce qu'ils font dans la moto? Attention, vous allez lancer très fort. Allez-y, 1, 2, 3. Ils l'ont lancé là-bas sur le toit de l'église. C'est vrai, sur le toit de l'église. Oh là là, ils sont pas gentils. Heureusement que chez les fourmis, il y a aussi des grands-mères. Il y avait une vieille grand-mère. Mais alors les petites fourmis, vous avez un problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est eux? Qu'est-ce qu'ils font, le roi et la reine? Ils ont cassé la poupée. Oh, et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont cassé la moto. Ils ont cassé la moto. Mais oh, et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont cassé la voiture. Oh, ils sont grognons. C'est vrai, beaucoup grognons. Attendez. Toujours pareil, le vieux livre. Vous avez dit roi et reine? Joli? Non, grognon. Grognon, ah grognon. Pour que le roi et la reine ne soient plus grognons, il faut leur trouver un ballon rose. Encore? Vert et noir. Ah vraiment, c'est une bonne couleur. Hein. Bon, rose, vert et noir. Petite fourmi, partez à la colle. Les petites fourmis, on va aller chercher le ballon rose, vert et noir pour le roi et la reine grognon. Roi et la reine grognon, vous devenez fourmi. Allez, pling. Baguette magique, vous devenez fourmi. On va chercher le ballon. Vous êtes prêts? Mettez-vous derrière, attention. On est parti. On a la... Les fourmis sont parties, sont parties, sont parties, sont parties, sont parties, sont parties. Et là, les fourmis vont traverser. Un pays où il fait très froid. Non, tu restes là-bas. Il fait très froid. Parce que vu les passages. Elles sont toutes gelées. Elles sont vraiment gelées, bouge plus. Regardez bien. On peut même faire des... On peut même faire des un musée de fourmis gelées. Hein. Attends, bouge plus. Hein. Bougez plus les fourmis. Hein.
On peut les déplacer, elles bougent plus. Tu bouges plus, tu bouges plus. Hein. On peut les mettre comme... Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Il y a même des fourmis qu'on peut mettre là. Vas-y, bouge plus. Bon, où est-ce que je peux la mettre? Où est-ce qu'il y a un petit endroit creux là? Où est-ce qu'il y a un petit endroit creux? Toujours un problème, il faut bien placer les statues pour que tout le monde voit bien. Bougez plus les fourmis. Attention. Les fourmis étaient des glaçons. Déjà, bougez plus. Elles étaient dans les fourmis. Ne bougez plus. Et puis le soleil est venu justement. Il a chauffé la tête. Les fourmis ont bougé la tête. Ben oui, la tête, je te jure. Les fourmis ont bougé la tête. Et puis le soleil, il a chauffé quoi? Une patte. On bouge une patte. Allez-y, il faut bouger une patte. Deux pattes. Ouais, trop fort, hein, trop fort. Vas-y, bouge. Deux pattes. Et puis les fourmis, elles ont tout bougé. Ça va, allez. Maintenant, on continue le chemin. Vite, vite, venez. Vite. Mets-toi. Mets-toi là. Attention, on est parti. On est parti. Et là, les fourmis, elles ont traversé. C'était terrible. Hein. Il y avait un grand trou. Un énorme trou. Comment le traverser? Heureusement qu'elles avaient pris une ficelle. Toujours important, les ficelles. Vous savez plus avec une ficelle, on peut faire beaucoup de choses. Alors là, les fourmis, regardez bien, sur le trou. C'est fou, hein. Pour traverser le grand trou. Voilà, on accroche ici. On accroche là. Et là maintenant, bien sûr, pour les petites fourmis, c'est de passer sur la ficelle sans mettre une patte dans le vide parce qu'elles peuvent tomber. Vous êtes prêtes, les fourmis? Attention. Le premier, vas-y, passe, c'est toi. Une patte après l'autre, hein. Une main, tu regardes, s'il te plaît. Attention. T'as bouge plus. Image de la petite fourmi qui est passée. Bon, on y va à toi. Vas-y.